Salut Ishanchiro. Salut Gata. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour l'acte 2 de Genshin Impact. Salut Mothchip. J'espère que vous allez bien. On venait juste de faire ce temple. Donc, la mission que je me repère dans les touches. Alt. Grâce à vos efforts, les flux élémentaires de Mondstadt sont enfin revenus à la normale. Vous pouvez maintenant rentrer à Mondstadt et faire votre rapport à Jean. Ok. Où est-ce que c'est? Comment est-ce que je vois le point à suivre? Je sais pas. Ah oui, sur la petite map au-dessus. Ça marche. Je vais peut-être mourir si je fais ça. Je vais t'essayer. Est-ce qu'on meurt dans ce jeu comme ça en tombant? Ah oui. Ouais, bientôt le week-end. Ce soir. Et oui, il fallait que je teste, hein, on sait jamais. Hein. J'étais pas encore tombée, donc. Alors pourquoi il y a des petites étoiles sur la map? Ah, c'est ça. Alors, à quoi ça sert ce truc-là? Oculus perdu. Des anémoculus sont dispersés dans tout Mondstadt. Récupérez-les et offrez-les au statut des sept. Ah d'accord. Bah, y en a trois autour. Oh, ah oui, d'accord. J'ai rien récupéré là. Si je fais la statue des sept, comment est-ce que je retrouve là le Anémoculus?
à faire une offrande. Ok. Ok, je suis passée au niveau 7 du coup en faisant ça. Et un courant d'air s'est créé. Ok. C'est top. Can you feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animalculi. They can be fitted into the statue's eyes. Go Mondstadt. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so... Keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Ça y est, je vais voir tout le monde dans le village. Elle va s'arrêter à chaque stand. Elle, c'est quoi? Ok, guide des arts réceptionnels. Guide des aventuriers. Estomac qui parle, elle. Alors, hop. Je crois que j'ai démonté par... Non, j'étais allée par là. Pour aller voir Jean. C'est là. Ah, je peux pas passer par là. Lui, il est là. This is bad. Such a hassle. What am I going to do? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. If I may ask, envoy sent by the animo god to save this mere mortal, could you spare a moment? Ew, cut it out. Marvelous. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Please, let us move to somewhere more fit for such conversations.
Ok. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with. What's with the sneakiness? Ah, ça c'est une quête de l'acte 1, ok. C'est pas le bureau de Jean, ça. Oula, il y a plein de choses. On va ramasser ce qui brille. Mais en vrai, je vois pas de jean non plus. Ça, c'est quoi? Panorama. Ok, j'ai le droit à une petite photo. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour ramasser les livres, parce que là, il y en a plein. Je ferai ça une autre fois. Ah, il est là, le bureau de Jean. Mais elle n'est pas là. Alors, voyons voir la map. Du coup, je sais pas où est-ce qu'il s'est barré le gars là. Ah, si je clique sur ça. Ah oui, du coup, je peux pas faire cette mission parce que j'ai pas le niveau 10 d'aventure. Ah, c'est pour ça qu'il me mettait pas le chemin. Moi, le temps que je comprenne, des fois. Hop. This place will do. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you
to keep it. Don't worry, Paimon's lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh. Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure! Kaya, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. The world we live in is fascinating. Holy moly! That's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands! We must get the sword before them! You just rest assured that we are here to help! Wow. Great! Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey! So what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super-duper powerful sword! Bon, ça veut dire la même chose, ces deux phrases, hein, franchement. Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more! The adventurers should know more about the ruins, right? Eh ben c'est parti. Hop. Cyrus. Ce qui sur ah. Hey kiddo, welcome to the Adventurers Guild. We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill eight-headed banshees and silver-haired hydras. It's super mega uber powerful. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's located. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins? Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel? Ah, et puis lui, il a tout entendu. Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Kaya first.
Hop. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventurers Guild and found... well, nothing. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that... what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the knights. Oh, no problemo! Alors, on va aller aux ruines de l'Arcadia. Mettre le petit chemin. Ouais, il parle beaucoup. Il y a beaucoup de dialogues. Ça arrive. T'en fais pas, l'action arrive. Faire un peu de neige. Allez, c'est parti. Oh, pourquoi je me suis noyée? Bon, je peux pas aller dans cette eau là après. Tant pis. Yes, j'aime bien cette attaque. Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. She's a traveler. She has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Okay. Oh, so you're the... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well, then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue. 1, the treasure. Right. There's also this map that came with it. Okay, une petite image. Could
this be the experts, the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? I'm gonna leave you to it then. We got. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. I'll leave you the intel so you can review it at any time. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. Alors, résolvez l'énigme, allez voir Kaya. Ok, bon bah du coup il faut que j'aille le voir. De toute façon. C'est reparti. Oh l'enfoiré. Il m'a poussé. Ah. Get tracked down by Outrider Amber. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je viens juste de commencer le jeu. J'ai fini l'acte 1, sauf que j'ai pas un niveau assez élevé pour pouvoir commencer l'acte 2. Donc on fait les quêtes secondaires. You're back. Looks like you got the intel. Yes and no. It's a lot more complicated than that. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What do you make of it? Riddles. How quaint. Let me think. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants... Giant crabs! Aside from asking just where we would find giant crabs... Crabs have 8 legs, not 6. Hey, that's smart! A windmill has 6 blades. It fits. So, out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. The other one is guarding... Ooh, ooh! This one Paimon knows! The treasure! Let's hope it's really that simple. Come on! Let's go take a look around that windmill!
Faut peut-être que je leur donne à manger parce que là ils ont plus de santé mes trucs là. Enfin mes persos. Comment je fais? C'est pas ça que je voulais faire. Je vais sortir. C'est pas cette touche là. Alors comment est-ce que je vois dans mon inventaire les trucs à manger là, pour redonner de la santé? Non. Non. Je croyais que c'était I, mais ça marche pas le I. B. C'était B. Ok, c'est bon. Ils ont la vie à 100%. I won't let you down. I won't let you down. Ah mince! Fallait que je monte tout en haut du moulin. Ok. Je vois pas comment monter là. Grimper sur la maison. Ok. Champignons. Normalement, ça devrait marcher là. Voilà. Ooh, let me see what's inside. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. There's another map. Okay. More riddles. Faudra aller à l'extérieur de mon stade. Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Paimon will let you have all the fun, or you could get Kaya to help. T'as vu, faut que je revoie Keia. Pourtant sur la carte ça avait l'air d'être clair. Il y avait la croix au bon endroit.
She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a... Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel that you just happened to find? Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as Paimon wasn't able to get it. I'm just joking. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Clear spring. Is it referring to Springvale? Passion rushing through the clear spring. So when does passion rush through a clear spring? Not a bad idea. Like when there's a waterfall, for example. It appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal the passion described here. And the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left side of the waterfall. I noticed it once when I was out on patrol in the area. The ending, cold and alone, probably has something to do with cryo, which can be controlled by a vision. You should probably take someone who can manipulate cryo with you. It's nothing. If a Knight of Favonius couldn't even answer a riddle, how could we be trusted to solve criminal mysteries? Let's go take a look in Springvale. We'll leave you to your criminal mysteries. No, wait. Leave you to solving your criminal mysteries. Ok, bon, c'est parti. On va aller à l'emplacement de la carte. Tout là-haut. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Oh, un coffre. Another target tracked down by Outrider Amber. D'ailleurs, je peux peut-être augmenter les compétences de chacun. On va faire un autre perso. Lui. Voilà. Mais du coup, avec ces deux persos, je vais pouvoir faire le... l'acte 2. Ah ouais, mais je peux pas passer par cette eau, je crois, de ce que j'ai compris. Si je tombe pas au milieu, ça devrait le faire, non ? Yes. Ouais, ça va, ça monte rapidement de niveau. Salut Spé. Il se casse pas ces tonneaux. Mmh.
choper une grenouille. Est-ce que je vais avoir assez d'endurance pour monter tout en haut? Je sais pas. Ah, je peux même pas. Ok. Ah, il m'attend. Oh l'enfoiré. Elle était coriace celle-là. Du coup le gros patapouf il est parti où lui? Il est tombé? Non. Bah, je sais pas. Ah il est là, je le vois. Voilà. J'ai récupéré sa balle. Du coup, ça n'a rien débloqué. Ça n'a pas fait apparaître de coffre. Du coup, il est où mon chemin? Je monte là-haut. Ah, est-ce que là, je peux escalader? Yes. Oh. Voilà. Ouais, ils sont juste là. Ah, sans ils étaient trop loin. Voilà. Bon, c'était facile. Alors. Lui, c'est la cryo. Oula, oh non. N'importe quoi, moi. Ah. On recommence. Faut remonter. Par où je passe. C'est-à-dire, hésite. De... Par rapport à si t'es en forme.
Allez, on recommence. Ceci, je vais essayer de pas me tromper. Et ils sont réapparus. Ah. Ok, tac, en voilà un. Deuxième. Et le troisième. Ok. This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. So, now... On va essayer de trouver directement. I'm so happy. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before. Je crois qu'ils sont en train de m'attaquer derrière. Like the treasure hoarders Gaia told us about. Maybe I wasn't meant to. I just want to borrow the sword too. No, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Alright, Paimon will save the chit chat for later. Arcadian treasure hunt, here we go! Elle parle beaucoup, Paimon. La vache. Ok. Je sais pas ce que je fous là. On va regarder la map. Ils ont déjà situé un point. Ok. Un objet de réanimation. Ok. I didn't know you were such a slacker. Oh là. I'm not done. Oh, moi je suis descendu rapidement. Ah, je peux choper des poissons. Ok, elle s'est noyée, toute seule. Hey. Tu te moques beaucoup, hein? Ah, j'aimerais bien t'y voir à ce jeu-là. C'est pas ma faute, elle s'est noyée, elle s'est pas nagée. Oh bah, j'en ai fait deux d'un coup, donc ça va. Il m'en reste deux. Il faut que je les réanime. Parce que si je me retrouve dans un combat à la con, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. B. Avec moi, c'est sûr. Genshin mort subite. Du coup, lequel peut me faire réanimer ? Non, ça les réanime pas. Oh, bon sang. Ça, c'est quoi? Ah, bah j'ai des œufs sur le plat. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Si, je peux l'utiliser. Non. En TDR. Objet en TDR, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a un chrono et je peux pas le faire. Et maintenant, le chrono, il est fini. 43 secondes. Eh, mais c'est pas des secondes réelles, hein. Ah! Non! Pourquoi j'ai fait ça?
come a little closer. Surcharge. Oh. En plus, c'est même pas le bon perso que j'ai pour le battre. Come a little closer. Oh. It looks like I got carried away. Oh, ça va mal se passer. Je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse. Oh bon sang, ils me suivent en plus. Je fais comment avec des sangliers qui m'attaquent aussi? Je fais comment là? That's more like it. Ah, ils ont disparu. N'importe quoi, moi. du coup, on recommence. Fallait que j'aille où? Là-bas. Je vais lui donner à manger à elle, celle que je viens de réanimer. C'est loin, hein, le point. Je crois que je suis au bord de la montagne. Ah, le fameux courant d'air qui s'est activé tout à l'heure. Je suis pas sûre que ce soit là. On va en réanimer un autre, tant qu'on y est. Voilà. Je vais lui redonner de la vie. Voilà. Et où? Je l'ai fait tomber. Oh. Ils tiennent vraiment pas en place, hein, dis donc. Bon bah c'est pas grave. Ah bah je me suis rattrapé là. Ah. C'est barré trop loin. Ouf. Il a failli m'exploser à la tronche. Voilà.
passé, quoi. Pourquoi ça gèle? Ok. Wingblade. Attends, je vais essayer de me choper un crabe. Je trouve ça me servir. Non? Ah, il n'y en a plus. This must be the Arcadian ruins. Is it just me, or does it look plain? Oh, Paimon gets it. The perfect disguise is always in plain sight. Kaya's grandpa sure is impressive. Ça m'étonnerait que ce soit une souris. It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is waiting for us. Elle, de toute façon, elle pense qu'au trésor. Niveau d'équipe recommandé 10. Bah, normalement, c'est bon. Ah oui, d'accord. Faut peut-être que je la monte, au moins celle-là. Hop, on va monter la mage. Si c'est possible. Yes. Niveau 6. On va lui mettre des pouvoirs. Enfin, des objets. Je vais y rajouter des points de vie. Bonjour Overlord. Ça va et toi? Je sais pas trop à quoi ça sert ça. Je sais pas. Tac, c'est parti, elle a perdu. Je l'ai jeté dans le vide. Ah, mais c'est trop simple si on les jette dans le vide comme ça. C'est trop bien. Rio, non? Alors je fais juste ça. C'était peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Activer. Ah oui. Oh là là. Et voilà, elle est morte. Merde, je me fous dans le feu, moi. Freeze.
Voilà. Ah ouais, journée de repos, c'est top ça. Tu vas pouvoir profiter. S'il fait beau chez toi en tout cas. Ça c'est bon, c'est activé. J'ai pas eu de trésor pour le moment. Chance. Qu'est-ce que je fais? Je crois que j'ai fait demi-tour en fait. Faut que je me remette de la vie parce que là, je vais mourir. Ah, j'avais pas vu, merci pour le follow, Overload. Lord. Pardon pour la prononciation. J'ai un peu bugué. I'll save you the trouble. Oh, c'est celui qui a écouté aux portes tout à l'heure. How about you let me take over? Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. Ah. We've been keeping a low profile. How did we're Paimon won't let you have the treasure without a fight. Il l'a déjà récupéré. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade. But your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Ugh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry. But there wasn't any treasure to begin with. Oh. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favon. Wait, what are you- You're not gonna get me! Okay, oh god, what is this? I didn't mean it! Ah, oh, il nous a sorti un monstre. What a troublemaker.
You, Knight! You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me! All right, then. Guess I will have to do some overtime work after all. Don't push your luck. Nice. Oof. Don't push your luck. Don't push your luck. Il fait des tornades maintenant. Oh la luck. Bon sang. Don't get frostbite. What's the hurry? Cool it. Freeze. Ah bah il est mort. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised. Or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right, let's take him back. Sir, yes, sir. Captain, should we take these two in as well? Bah non. Pas moi. What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. You're a bad man for lying to me! Shame on the knights! All right, stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? Ah. That... Well... Let's go! Hyman's done talking to him! Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. As its name suggests, it symbolizes light and victory. If you don't mind, I would like to present you with this Harbinger of Dawn as a reward. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward is this Harbinger of Dawn... You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Ok, bon, il n'y avait pas de trésor. Bon, il y a au moins celui-ci. Trésor de fin de temple. Ok. Thank you.
c'est pas elle que je vais monter. Lui, niveau 13, elle. Hop, comme ça, elle est au même niveau que les autres. Et elle... Ok. Donc, on va reprendre les quêtes de l'acte 2. Ah non, je peux pas. Niveau 10 d'aventure. Où est-ce que je vois ce niveau d'aventure ? Je pensais que c'était par rapport au niveau des personnages, mais pas du tout. Ah, ça y est, j'ai trouvé. On est niveau 7. On va aller faire ce trésor. Voilà. I'll keep this close. Il y a un autre là-bas. Ah, il faut que j'utilise Kaya. Bah oui, c'est vrai. C'est des blobs d'eau. Donc effectivement, ça les aurait gelés. C'est vrai que j'ai pas encore les mécanismes de changement de perso. Il vole, lui. Là-bas. Je m'en doutais que ça allait exploser. Ah oui, Lisa, ouais, c'est vrai qu'elle est KO, j'avais pas fait gaffe. L'inventaire B. Yes. Tac. Et du coup, tu dis que Lisa, c'était pour lesquels ? Pour l'eau ? Ou pour ceux que je viens juste de combattre. Ah ! Ça réanime ? Je savais pas, je pensais que ça redonnait juste la santé pour les statues des sept. A reward on the road.
Alors, qu'est-ce que je peux aller faire? Il est verrouillé. J'aurais pu aller me faire ce temple-là. À moins que je suis pas du bon niveau, je sais pas. Allez, ici. On va débloquer ce point-là. Comme on est juste à côté en plus, c'est top. Et il y a une étoile là. Alors comment je le récupère ? Ah bah ok, d'accord. Il fallait juste que je le touche. Voilà. Je vois un trésor là-bas. Ça aurait été rapide en tout cas. Is this an answer from this world? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc au-dessus? Non. Je vais faire ce point-là. Puis après, je vais reprendre une des quêtes. Donc il est où? Je l'ai pas cliqué. Voilà. Reward on the road.
Oh, c'est de l'eau. Ça lui fait rien. Oh la vache, l'enfoiré. Non, elle non plus. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Come a little closer. Sir. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Nickel. Niveau 8 d'aventure. What do you think, cutie? Et j'ai une petite étoile qui est juste à côté de moi. Pourtant là, je suis pile au-dessus. Elle doit être là. Ah oui, d'accord. En haut. Oh, bon sang. Voilà. Donc, on l'a dit par là. Je sais pas si un trésor va apparaître si je les bats. Pour là-bas, y'a rien. Come a little closer. Foiré. Numéro ou l'autre. Là.
pas me téléporter. Il est où le point de téléportation que je viens d'activer ? Là. Je peux pas l'utiliser en fait. Allez, direction Mondstadt. Je vais ramasser des pommes parce que j'en ai presque plus. J'ai pas réussi à déployer les ailes, je sais pas pourquoi. Welcome to the Adventurers Guild. You've had your eye on her, eh? Has she been causing some mischief? Oh, that is not what I meant at all. Bing, when I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with her. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Ouais, je veux bien augmenter le niveau d'aventure. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. New recruits these days certainly do not beat around the bush. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim... Ah mais j'ai plein de récompenses que j'ai jamais récupérées en fait. Oh là là. Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer, into the guild. Here is your adventurer handbook. A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is only fair. It has a record of available commissions and rewards. And it is also proof of your membership. Oh, and one more thing.
Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. Ascension adventures, if you will. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Ad Astra Abyssosk, adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Est-ce que la phrase de Buzz l'éclaire? Du coup, j'ai récupéré mes récompenses de niveau d'aventure. Voyons voir ce qu'on peut faire maintenant. C'est comment les quêtes déjà? Ah oui, Alt. Je suis au niveau d'aventure 8, il m'en faut encore 2 pour pouvoir continuer l'acte 2. Planer avec le vent. Quête du monde. On va faire le vent. Hein. Amber souhaite s'entretenir de l'utilisation des planeurs avec vous. Ok. Let's go. Ah, monte. Salut Dragon, ça va très bien et toi? Non, je voulais pas faire ça. Comment je fais pour annuler? Ah voilà. C'est une découverte, j'avais jamais joué. Et oui, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais j'avais jamais testé, donc c'est l'occasion. Et puis ça permet aussi de faire redécouvrir à ceux qui ont déjà joué. Hey traveler, I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. Et toi, du coup, t'y as déjà joué? But then again, you don't have a gliding license, do you? Un permis de planer, d'accord. A gliding license? Hmm, what's that? Ah, les boules. Ah, t'as perdu ton compte. C'est chaud, c'est chiant, ça. T'es à quel niveau? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? T'es au monde 1, AR23. Alors, ça veut dire quoi, AR? Je suis désolée, je suis un petit peu inculte en ce moment. Mais ça va venir, toutes les abréviations. No way! The Knights of Favonius have strict rules!
You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. D'accord, ok. Niveau d'aventure. Ça marche. Ouais, t'es bien avancé quand même. En 4 jours, niveau 23. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. Ah bah oui, en plus ils le disent dans le dialogue quand ils parlent anglais, Adventure Inc. C'est vrai, j'avais pas capté. Bon, au moins maintenant je découvre des mots. Hein. And again, since Amber is the exam... No with a capital N-O. Do not challenge the authority of Examiner Amber. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. Je peux te filer un coup de main pour avancer si tu souhaites. Bah ouais, pourquoi pas. Bah dès que ce sera possible, on pourra se faire un... Je crois qu'il y a possibilité de faire des duos là. Tu sais, mode campagne, un peu. D'après ce que j'ai compris, ça existe dans ce jeu-là. Merci pour le follow. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Ouais, ouais, c'est vrai que le niveau est complètement différent là. Ouais, bah. Si par moment j'ai des difficultés, ouais, pourquoi pas avoir des astuces. Mais rigole pas, mode cheap, hein, c'est pas drôle. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Ça va, je peux pas tout savoir, hein. Wow, that's a big old book. Paimon thinks we best get started. Great. Come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds, until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Hmm, that's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Ah,
Ah, oh, c'est loin. Chère voyageuse, comment se passe votre séjour à Teva? On voit ça plus tard. Hop. Rendez-vous au lieu de l'examen. Ben, c'est parti. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. ...700 mètres à parcourir. I won't let you down. Mondstadt welcomes you. Ramasse tout sur ton chemin, soigne-toi régulièrement en allant devant les statues des sept. Qui sert également de point de téléportation, va faire un tour dans les menus. Beaucoup de choses à y retrouver. D'accord, bon, on va faire ça maintenant. Comme ça tu vas me donner les astuces en même temps. Donc. Ah ouais, pourquoi pas les codes. Tant que ça me fait pas tricher, ça me va. Donc. Ça, je vais aller à une statue des 7 pour redonner de la vie. Parce que c'est vrai que j'ai plus personne de... très en forme. B. B, c'est inventaire. C'est eux qui les fournissent, les devs. Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Oh, c'est top. Come on, let's take a look. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Événement en cours. C'est pour obtenir un perso? Non? I feel like running. Ouais. Donc en fait, il y a des quêtes, et puis à la fin, tu obtiens le personnage, quoi. Si je comprends bien. Ah non. Bon, je sais pas. Je vais rester plus tard. Progrès. Ah bah tiens, j'ai des trucs à récupérer encore. Hop, nickel. Chapitre 1, c'est bon. Chapitre 2. Oh là là, j'ai tellement de choses. Ok. Invoquer. Comment tu invoques ? Menu et aller dans étoile. Là ? Vœux ? C'est ça ? D'accord. Point d'exclamation rouge, vas-y, tu as des récompenses ou infos importantes. Ok. C'est vrai que je fais jamais ça. Ok, donc j'ai que 2 vœux pour le moment.
Donc je peux faire un vœu ou 10 vœux. Garantie l'absorption d'un objet, 4 étoiles ou plus tous les 10 vœux. D'accord. Jamais les armes. Faut faire sur la meuf en rouge. Meilleur perso du jeu. Ah bon? Elle? C'est la meilleure perso du jeu. C'est celle que j'aime le moins en tout cas. D'en veux. C'est laquelle, la personne en rouge? Elle? Ombre cendrée de l'âtre? Arlecchino. Autant pour moi pour la prononciation, mais je sais pas du tout comment on le dit. Arlecchino, voilà. Arlecchino. Ok. Ah oui, et là du coup, ça, c'est pas le même type de vœu. Du coup, comment je sais comment obtenir ces vœux-là pour pouvoir après faire des vœux sur elle? Enfin, le petit cercle rose et bleu là. Tu as deux types de vœux? Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il y en a un rose et bleu et l'autre qui est tout bleu, d'après ce que j'ai vu. It's so delicious! Hum, hum, hum. Les bleus roses avec les nouveaux persos et meilleurs persos. C'est plus rare à avoir et la bannière permanente avec le bleu, tout court. Oui, il n'y a que deux vieux persos sans intérêt, mais c'est important de les avoir quand même. Ok. Et en fait, les vœux, je les obtiens grâce au feu follet, non? C'est pas ça? Good Hunter's Fisherman's Toast is the best! This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of Good Hunters? Why, Paima would love to be your personal taster. Don't you let me down. J'ai augmenté le niveau d'aventure. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Certains messages importants, tels que les souhaits d'anniversaire, seront automatiquement transférés dans les messages précieux. Ouais, j'ai pas mis mon anniversaire de toute façon.
Ok, j'ai tout récupéré. Message précieux. Ok. Avec les promogèmes, c'est les bleus. Ah. Ouais, du coup, je sais pas encore pour les bleus et roses comment les obtenir. Ah, primogème. Et lui, il est bleu et rose. Non, c'est pas ça. Pour le code, tu vas dans le menu options et tu vas dans l'avant-dernier onglet. Alors. Menu. Options. Le rouage, ok. Avec les paramètres. Et après, je sais quoi? Ressources. Non. Ah, entrer un code. Veuillez consulter votre boîte de messages dans un instant pour récupérer vos compétences. Récompenses. Super, merci. Stop. Ouais, t'inquiète, tu me les donneras une autre fois. Y a pas de souci. Donc là, faut que j'aille dans messages. Récompense par code. Et du coup, j'ai eu ça. Ah, ils mettent pas quand je passe au-dessus. Ce que c'est. Bon, primogème. Gemme cristalline originelle. Ok. Et là. Matériaux d'expérience de personnage. Ok. C'est top. Ça, je vais faire monter de niveau mes persos. Nickel. Bon allez, je vais faire cette mission là et après bah... Après je vais arrêter le live. Tranquillement. Va là sur... Sur map. Ouais. Je suis sur map. Et toi, la statue des sept. Une statue des sept. Temple. Point de téléportation. Ah, allez. Je sais pas, tout à l'heure, j'ai essayé de me téléporter, ça voulait pas. Je sais pas pourquoi. Les persos sont rechargés. Ouais, super. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus rien. Ah non, elles sont pas tout à fait rechargées. Faut que je reste à côté, c'est ça? Non.
dessus. Je viens de faire l'offrande, donc j'imagine que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah. Nickel. Super, merci. Je comprends pas pourquoi le planeur il s'est... Ah ouais, j'ai pas encore fait de cuisine depuis que je joue. J'avais plus d'endurance. Ah. D'accord. Bah tout à l'heure je suis morte parce que j'avais plus d'endurance du coup. Allez là. Hop, c'est parti. Great, you're here. Ouais, je sais que je peux changer de perso. Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Oh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean though. Really? Hmm. Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animo slime takeoff. Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. Okay. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But... Anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Okay.
You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Amber est bien pour l'exploration du monde, mais nul au combat. Tu as réussi le permis de voler. Ouais. Bon, c'est pas très utile, mais bon. Quoique, il y en a qui peuvent avoir des difficultés pour utiliser le planeur, je sais pas. Bon, bah c'était la dernière mission de la journée. Je vais vous laisser profiter de... Essayer d'invoquer avant de quitter, non ? Invoquer... Ah oui ! C'est dans quoi déjà ? Là. Ouais, j'en ai qu'un, je peux pas invoquer. Va voir à gauche. Ah oui. Ok, j'ai obtenu une épée. Céleste. Épée céleste, attention. My name is Chong Yu. My Et un perso. Has practiced the art of exorcism in Liyue for many generations. Ah, quand même un 4 étoiles. Fate has been generous in allowing my path to cross with that of your distinguished self. Un lance-pierre. L'épée de la raison. L'épée céleste. L'arc du corbeau en 3 étoiles. L'âme froide. Et my name is Noelle, Noël. Maid of the Knights of Favonius, and it's my pleasure to be joining you on your adventure today. Should you encounter any problem? Si tu as des flèches violettes, c'est 4 étoiles. Doré, c'est 5 étoiles. D'accord. J'ai obtenu plusieurs fois les mêmes choses. Ok. Bon bah c'est top. J'ai deux nouveaux persos du coup. Bah super, je te remercie du coup. Et je vais laisser le live comme ça. Ouais, je la referai. Je réessaierai à un autre moment, dans un autre live. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous voulez, je suis en live demain à partir de 17h pour faire Avatar. Voilà, donc avec plaisir, je vous y retrouve. Je vous souhaite une bonne journée. Salut !